Bon, du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. On est le 17 novembre, pour ceux qui n'auraient pas compris encore. Hein. Et donc, on va aller un petit peu manifester. Mais un tout petit peu, je veux dire. Hein. Voilà. Les gilets jaunes, tout ça, hein, bah, c'est nous. Hein. Voilà. Donc ça, en gros, je vous explique. Le but, ça va être de l'accrocher avec du scotch, hein, ici, sur le grand pare-brise de ma Mégane, devant. Donc ça, c'est pour devant. Et ensuite, eh ben, pour derrière, j'ai aussi prévu des petites affichettes. Vous voyez, bon, les trucs que je vous ai montrés. Ça, on va le coller sur le pare-brise. Pour que ça soit visible de l'extérieur. Tout simplement. Donc c'est parti, étape scotch. Ah, et puis bonjour, hein, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est donc le 17 novembre et on va manifester. Les gilets jaunes, tout ça, la hausse du carburant et finalement ça a tout entraîné derrière. Là on va aller manifester, il y a un truc pas loin de chez nous, donc c'est cool. Enfin, manifester pacifiquement, calmez-vous les gars. Voilà, je prépare ma bagnole, on va chercher le scotch. Toute cette vidéo sera faite à la GoPro. Voilà, donc la qualité audio surtout ne sera nécessairement pas forcément tout le temps au rendez-vous, mais c'est les joies de la vidéo, la GoPro. Au moins vous êtes prévenus, ah, non, non, le son n'est pas terrible. Je viens de vous le dire, putain, je viens de vous le dire, c'est parce que je fais la vidéo, la GoPro, donc arrêtez s'il vous plaît, merci. Voilà, allez, on va chercher le scotch, hein, parce que... On va chercher le scotch. Et bah voilà les gars, j'ai trouvé scotch orange. Ça, mon gars, tu colles quelque chose avec ça, tu peux coller quelqu'un au plafond avec ça, c'est horrible. Oh. Ouais, ça fera l'affaire. C'est bon, il y a de quoi. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, Seb. Bonjour, mais tu vois, tu vas avec le son de la GoPro, toi. Ah ouais, bah oui, je suis un malade. Ouais. J'ai dit, c'était une vidéo la GoPro, on fait ça, ouais. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est beau, quoi. Mais tu vas rien voir pour faire tes manœuvres aussi. Mais c'est pas grave, c'est temporaire. Eh, fais gaffe à ça, hein. Si les flics ils ont envie de faire chier, ils viennent, ils vont chercher. Là je vois, là en dessous je vois, et là je vois. Et c'est pas comme si j'avais une bagnole. Et le mec il arrive à faire une manœuvre avec 2 cm de carreau à l'arrière. Mais bien sûr. Le mec il voit. Et puis en plus de ça, j'ai un radar de recul, qu'est-ce qu'il va venir me faire chier? Ouais, mais t'as pas de caméra. Mais j'ai un radar de recul, ça suffit. Bon, je la colle. Mettre la mienne. Tu vas mettre la tienne tout de suite, ouais. Ah. La grande, je vais essayer de la mettre tout en haut, là, tu sais. Ouais. Pas en bas, je verrai pas le nez, sinon c'est... Ah bon. Bah, vous savez quoi, on va aller essayer de la coller tout de suite, ouais. Allez, c'est parti. Ah, le gars, il met une voiture de monsieur, et il met des putains d'affiches en papier. Ah, je vous emmerde. C'est la même. Bon, j'essaie de coller ça, je reviens vers vous, hein, parce que ça va être un peu compliqué. En plus, j'ai mon capteur de pluie. Qui est là derrière, donc ça va être compliqué. Finalement, je vais la mettre quand on sera là-bas, parce que, comment dire, j'ai vu un peu ce que ça donnait, ça descend à peu près comme une nuit du pare-brise, donc pour conduire, c'est moyen, quoi. Mais du coup, voilà, j'ai mis mes petites affichettes derrière, donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Le point de rendez-vous, c'est à 10h, l'opération escargot, 10h45, bah, je vous emmène avec moi, écoutez. Force aux gilets jaunes, et nous ce qu'on veut c'est le gasoil à 1€, parce que dans certaines stations il est presque à 2€, c'est pas possible les gars, c'est pas possible, sachant qu'on est un des pays d'Europe qui pollue le moins, je veux dire, c'est pas possible, voilà. C'est pas le souci, nous on veut bien rouler plus propre, mais le souci c'est que l'électrique, ça pollue indirectement. Je m'explique, en fait les voitures thermiques, bah, elles rejettent du CO2, donc oui ça pollue directement, ça pollue, c'est pas bien. Mais les voitures électriques, peut-être que sur le moment elles vont pas polluer, elles rejettent pas de CO2, mais les batteries derrière, quand elles seront usées, hein, elles ne sont pas forcément recyclées. Donc elles vont où? Le plomb, le lithium, il va où? Eh ouais. Et l'électricité derrière qu'on met dans les batteries, c'est produit de où? De où c'est produit? À votre avis, centrales nucléaires. Et centrales nucléaires, c'est des déchets nucléaires. Et les déchets nucléaires, on en fait quoi? On les enfouit dans le sol. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Là. Allez, lance, ouais, ta gueule. Ouais. C'est pas un match de foot. Ouais. Allez, là, ça. Voilà, donc eh ben, on se prépare et on y va, c'est parti pour ce 17 novembre. Sans déconner, je me sens moins seul, regardez Seb. Regardez Seb. La République pas en marche, il vive le peuple. Eh, ça colle pas? Bah ça je te l'avais dit de prendre le scotch orange. Et en plus la saxo il est toujours vivante depuis le temps, hein. Ah voyez, bah écoute, et regarde. Si je mets 50% d'éthanol dedans, je te jure qu'elle crache des feuilles mortes derrière. Jurez la vie de ma mère, elle crache des feuilles mortes. Des feuilles d'arbres, mortes. Bon oui, mortes, hein, quand même, parce que ça pollue un peu. Ah
Allez, go. Oh diesel, ça pue le diesel. Oh, ça pue. Bonjour. Tu payes des impôts? Non? Allez, au revoir. Donc du coup bah voilà c'est parti, gilet jaune et puis jusqu'au bout de la nuit, je sais pas quand, on verra bien. Voilà. Allez. Ouais. Intermarché, il a éteint son totem, il a eu peur. Ah ouais, ouais, il a éteint, on voit peut-être pas, mais il a éteint le totem Intermarché. Il a éteint le totem, le mec il a eu peur. Il a eu trop peur de se faire incendier. Il a eu peur, ouais. Et on y va, ça klaxonne et tout. Oh lolololo. Ah c'est la merde, hein. Mais bon c'est la merde pour tout le monde. On est parti, opération escargot, allez t'y pars, jusqu'à Longness. Vous connaissez? Non, moi non plus, c'est faux. Je connais bien sûr. Allez. Hop. Ah, on est carreau. Allez, y'a rien par là. Oh, mec. Le rond-point. Le rond-point, y'a plus de rond-point. Tu t'arrêtes en plein milieu d'une rocade. Est-ce que t'as déjà fait ça dans ta vie? Si t'as jamais manifesté, eh ben tu l'auras jamais fait. Et ben maintenant, bah regarde. Parce que moi je t'offre les images, c'est gratos. Voilà, donc pendant qu'on est arrêté, je vais juste en fait vous parler un petit peu de, en ce moment, de ce que je fais et tout ça. Donc je suis toujours en train de bosser. Et donc voilà, je prépare un peu cette manif aussi parce que bon, les revendications sont là. C'est-à-dire que dans certaines stations essence, comme je le disais, le gasoil et même l'essence sont presque à 2 euros le litre. C'est pas possible. C'est pas possible. Le pouvoir d'achat des Français actuel ne permet pas de payer l'essence comme ça. Regardez, moi je fais 140 km par jour du lundi au vendredi, enfin pendant 5 jours dans la semaine, parfois 6, je fais le plein tous les 8 jours. Je fais le plein tous les 8 jours et 71 euros de gasoil tous les 8 jours, c'est chaud quand même, c'est chaud. Il serait à 1 euro le litre, sachant que j'ai un réservoir à peu près de 60 litres, si tu enlèves la réserve, ça fait à peu près, on va dire, ouais, à peu près 50 euros. Là, ça serait plus, ça serait un peu, tu vois, ça serait un peu plus à l'aise quand même, comme prix. Et ben non, le gouvernement s'obstine à tout augmenter, soi-disant cette barine. Non, c'est les taxes, bien sûr. Les bonnes taxes pour que l'État s'en mette plein dans les poches. Et donc, du coup, ben là, on bloque vraiment à rond-point, enfin, pour l'instant. Voilà, un petit peu la situation. Donc là, ça va avancer, mais c'est-à-dire que voilà, je veux dire. Toi-même, tu sais quoi, regarde de l'autre côté. Là. Voilà. Et ça bloque tout comme ça. Voilà. Donc là, en fait, normalement, on est censé faire un demi-tour pour repartir en fait par là où on est venu, c'est-à-dire par là. Sauf que, bah voilà. Donc là, c'est-à-dire que je peux descendre par exemple. Et puis bah, me mettre à fumer comme ça, je peux mieux traverser le rond-point jusqu'à là-bas et revenir. Il se passe rien, à part que j'aurais traversé le rond-point et que je serais revenu. Voilà. Mais donc bah maintenant, on est là, nous on gueule, hein, on est là, enfin on gueule.
Voilà, on se manifeste. Mais ceux qui ne seront pas manifestés, ceux qui se seront pas manifestés, j'ai pas le temps, ceci, cela, ne venez pas gueuler par la suite, d'accord? Ne venez pas gueuler qu'il n'y aura eu aucune action, aucun changement de prix ou quoi, d'accord? Je vais remonter parce que ça va avancer, donc c'est un peu. Mais voilà, mais c'est très simple, c'est que nous, on a des raisons de gueuler. Mais ceux qui n'auront pas été manifestés et qui après diront « Ouais, c'est trop cher, c'est ceci, cela », bah fermez vos gueules. Voilà, vous aviez qu'à sortir dehors et dire que vous n'étiez pas content. Maintenant, trop tard. Tant pis pour vous, voilà. C'est tout, voilà. Bon, alors, c'est où j'y suis à ce putain de rond-point McDo, là. Donc voilà, bah, les gens sont là et sont garés, et voilà. Et puis, bah, c'est tout, il y a des gilets jaunes de partout. Mais bien sûr, on scanne toujours Macron d'émission. Hein. Voilà, Macron d'émission. Donc ça, c'est bien ça, voilà. Donc je vais aller sur ce refaire juste un live sur Facebook. Parce que c'est cool les lives sur Facebook aussi. Et je n'y vois toujours rien avec mon affiche. Hein. Ça n'a pas changé. Donc voilà, donc là, il y a cette heure-là. Et bah c'est l'heure. Je crois qu'on part à 45. Ouais, j'ai entendu ça. C'est l'heure du pique-nique. Bon appétit bien sûr. Voilà. Donc suite de la manif, on est du coup arrêté sur un rond-point, garé dessus. Hein. Vous ferez jamais ça d'habitude. Donc voilà. Et on mange. En direct dans quelques minutes. C'est dur. C'est dur la vie. Alors qu'est-ce que tu veux nous faire? Bon, on va aller voir. Séance bricolage. Déco. Une semaine pour tout changer. Bonjour. Valérie Damido. Je vais te claquer le jingle de déco. Je m'en fous. Je vais le trouver sur internet. Ouais. Essaye de la recoller du coup, mais à l'extérieur. Ouais, bien ouais, haut. Mais propre. Surtout bien haut et propre. Moi, je vais essayer de la recoller aussi, mais tout en haut en fait, pour pas que ça se voit. Bien, donc on est toujours sur la même grogne que ce matin, l'essence est trop chère, ananamar. Voilà, donc maintenant on va essayer d'avancer comme on peut, ça va être compliqué. Parce que voilà, hein, voilà. Et derrière, c'est pareil, hein, ça recommence, ok? Bon, voilà. Donc on va encore aller bloquer d'autres routes, hein, et puis ma foi, c'est très bien. Nous avons mangé, je vais me servir un café. Et on est parti. Allez, c'est reparti. Allez, c'est reparti, allez. Ah, il y a toujours autant de monde, hein. Alors, soi-disant, les diesels, ça pollue. Encore une fois, hein. Tome 2, je reviens vers vous. Voilà. Donc, je vais pousser à 5000 tours. 3, 2 et 1. Et ben, mes amis, go. Et bien, le résultat, c'est qu'il n'y a pas un pet de fumée. Vous voyez, les gars, je peux faire ce que je veux. Ce que je veux, les gars. Regarde, regarde, là, je me mets comme ça, regarde bien le compteur là. Regarde. Il se passe rien. Il y a pas. Hop. Parce qu'avant, vous savez, c'est une Renault, donc. Faut faire attention à sa Renault, tu vois, ça coûte assez cher comme ça, tu vois. Donc hop. Alors, ça va être très pratique pour ouvrir ça à une main. Attends, 2 minutes. Voilà, le gros DCI. Ma foi, ça tourne, hein. Ma foi, ça tourne, ça a l'air d'aller. Il a pas souffert le con. Ça lui fait même du bien parce que du coup je décrince la vanne EGR en y pensant. Donc ouais. Non, ma foi, très très bien. Très très bien. Sur ce mes gens, je vais chez Renault, je vais niquer ma mère. C'est faux, c'est faux. Je vous laisse. Passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, ce que vous voulez. Je ferme mon capot et je retire mon chapeau et c'est terminé. Voilà. On veut.